te rappelles quand t'es arrivé ici à Cast? Tes premiers matchs, c'était contre Pau ici. J'avais marqué, moi. Un bon match, ouais. T'avais marqué pour changer, quoi. Un essai sauvage. Ouais, un essai. Un de tes meilleurs souvenirs de match? Un de mes meilleurs souvenirs, je pense que c'est le soir après la naissance de ma fille, Violette, où je marque deux essais contre Montpellier en plus. Donc c'était un petit clin d'œil suite à mon départ de ce club. Et ouais, c'était vraiment sympa. Quand j'y repense, c'était vraiment cool. Et toi, ton meilleur souvenir après? J'en ai deux, mais outre le titre de 2018, où j'avais une grande fierté de pouvoir passer le bouclier à mon père dans les tribunes. Franchement, ça m'avait fait vraiment, vraiment extrêmement plaisir. Le barrage gagné à Toulouse, où il tape le coup d'envoi. Je me souviens, je suis à la réception et là, on enclenche un maul et on a pénalité. Et franchement, c'est rien, hein, c'est juste une petite phase de jeu. Mais cette phase, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie parce que quand on avait fini cette action, une espèce de force qui était rentrée en nous, c'était énorme, énorme. On a vraiment écrit l'histoire du CO ce jour-là, je pense. En allant gagner un match de phase finale pour un derby, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais, c'est énorme. Franchement, un souvenir magique. Des souvenirs comme ça, t'as envie d'en vivre tous les ans. Ouais, mais bon, ça, c'était le bon vieux temps, quoi. C'était le bon vieux temps, ouais. Après, c'est aussi à la jeune génération de prendre le relais et à eux de monter le club au plus haut niveau suite à, ben voilà, à ce qu'a pu faire les anciens de ce club. C'est vrai que c'était bien comme avant. Ouais, ouais. Mais bon, après, toi, tu vas arrêter ou... Ouais, c'est vrai, pourquoi je dis ça, moi? Non, j'ai encore envie de jouer, moi. Attends, je m'accroche, hein. Ben oui, t'es jeune, je trouve. Mais oui, oui. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Et moi, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Ah ouais? Mais qu'est-ce qu'on fout là, alors? On y va, hein? Eh ben, on y va. Allez, c'est parti. Je suis olympien jusqu'en 2022. Je suis olympien jusqu'en 2023.